Keep your eyes and see how far you get in just one day. Take to the sea and open up your heart and see how far you get. Je vais vous parler de notre perception de l'innovation sociale auprès de notre première étape qui correspond à l'Espagne. Donc tout d'abord, nous avons commencé par Barcelone et nous avons directement été très surpris par le fait que cette ville est passée d'une ancienne cité industrielle à ce qu'on appelle une smart city. On a remarqué qu'il y avait un développement plutôt énorme de ce qu'on appelle les Fab Labs ou Hackerspace, Makerspace, tout ce qui correspond au tiers-lieu. Il y en a plus d'une quarantaine au sein de Barcelone, dont plusieurs qui sont vraiment remarquables, à savoir le Fab Lab de Valdaura, qui est ce qu'on appelle un self-sufficient lab. L'idée, en fait, c'est d'être autonome d'un point de vue agriculture, d'un point de vue énergie et d'un point de vue industriel. Ensuite, on a fait étape à Madrid, où évidemment, là, c'est vraiment le secteur de l'entrepreneuriat social et de l'innovation sociale qui se développe énormément. On a remarqué qu'il y avait également un écosystème favorable au développement de l'entrepreneuriat social, à savoir des financeurs, des banques, des espaces de travail comme le célèbre réseau Impact Hub et tout un tas de réseaux d'entrepreneurs sociaux, mais également d'éco-entrepreneurs comme Social Emprendedor ou le réseau Green Bees sur l'entrepreneuriat vert. Donc tout ce développement de l'innovation sociale, on le remarque également dans beaucoup d'autonomies, notamment le Pays Basque qui est très développé par rapport à ça, puisqu'il y a un centre d'innovation sociale appelé le centre d'Enokin, qui se considère comme étant la Silicon Valley de l'innovation sociale. Welcome to the Social Innovation Park, and we are the first park in Europe. We follow the social entrepreneurs from the beginning. With their ideas, with different mythologies, business prototype rapid. In this way, we can introduce them in European projects. So we have another project called Transition, about networks of incubators and centers of social innovators. The aim of this project is to identify 300 best practices of social innovators who take part in the different countries and identify between 300 entrepreneurs, 6 best practices to scaling up to another countries. Sur d'autres thématiques liées à l'innovation sociale, on a remarqué que l'énergie se développe, l'énergie renouvelable bien évidemment se développait de plus en plus, puisque la production d'énergie renouvelable en Espagne atteint plus de 40% et est maintenant le premier pôle de production d'énergie. L'habitat n'est pas en reste, puisque nous avons eu la chance d'aller dans un éco-village près de Tarifa, donc, qui est non seulement célèbre pour ses spots de surf, mais également de plus en plus pour le développement de modes alternatifs de vie. Et nous avons pu vivre pendant quelques jours dans un éco-village appelé le Molino del Guadalmeti. Dans ces éco-villages, on peut voir non seulement des nouvelles formes d'agriculture, à savoir la permaculture, l'agroécologie, ou même de l'agriculture de subsistance, des forêts comestibles et tout un tas de techniques pour améliorer l'agriculture, mais également sur l'habitat avec le développement d'habitations éco-conçues, avec des ressources naturelles qui ne polluent pas les sols, etc. etc. Sustainable Reference is a software company that develops software for promoting, encouraging sustainability in regions, cities, or even countries, or in corporations. Normally, everybody talks about sustainability, but how do we become more sustainable as citizens, or as companies, or as cities? So our tool allows to measure how sustainable a person, a company, or a city is, and also
helps you improve and ranking also. At the end of the day, every citizen, any manager of a company, they've got in their hand to make better decisions in terms of sustainability, including social aspects. We're working in Costa Rica, in India. We've got representatives in over 20 countries. And yeah, sustainability from our perspective is also applicable in literally every part of the world. Day to the sea, and open up your heart and see how far you get up in free. And it's a day to the sky, open up your eyes and see how far you get in just one day. Day to the sea.